Matt, ce qui a justifié notre sortie, c'est pour les voir d'Ijul, ce qui est exécuté sur le terrain. Vous voyez, ces travaux, c'est pour en fait décongestionner la circulation à l'intérieur de Ouagadougou pour une question de sécurité routière. Et nous avons vu que les travaux s'exécutent conformément au planning prévu. Et effectivement, il n'y a pas, on ne peut pas occulter aussi les différents problèmes de terrain. Vous avez dû constater que nous avons, séance tenante, enlevé un certain nombre d'installations anarchiques. Parce que, bon, ils n'ont pas eu cette autorisation de le faire. Ils sont à 87% d'avancement et 75% de téléconseil. Donc vous voyez qu'ils sont en avance. À plusieurs reprises, je dis à la presse ici qu'il y a eu énormément de difficultés. Énormément. Et je pense que beaucoup de gens n'ont pas compris le sens du décret d'utilité publique qui a été pris par le gouvernement. Et se sont dressés contre les mouvements au niveau de la justice. Et nous avons énormément de procès auxquels nous répondons par rapport à ces chantiers. Au-delà de ça, il y a eu la COVID-19 qui a paralysé le chantier pendant presque un an. Nous avons également, il se trouve que c'est un PPP, un partenariat public-privé, avec des prix non révisables. Sinon, à la date de ce jour, on a l'inflation qui multiplie les prix d'achat de matériel et matériaux par 10 qui sont supportés par l'entreprise aujourd'hui. Dans ce qui concerne les caractéristiques techniques, on peut dire qu'on a au niveau du profil en travers deux fois deux voies avec un terre-plein central de 10 mètres où on peut élargir et mettre une voie de part et d'autre. Ensuite, on a une piste cyclable de 3 mètres en section urbaine et 1,5 en hors agglomération. Donc, les caractéristiques géométriques s'apparentent à une autoroute, à part les points d'interruption du TPC à certains endroits. On peut dire qu'on a les caractéristiques techniques d'une autoroute.